Exactement, il a fallu beaucoup de temps pour construire ce fort et du coup il n'aura jamais servi à rien, sauf le jour où Jacques-Antoine, le créateur de Fort Boyard, le créateur de l'émission Fort Boyard, a vu les aventuriers à la télé et il s'est dit, ici, on pourrait faire quelque chose. Voilà, c'est comme ça que l'émission est née.